Bonjour Mathieu, donc quelle était la démarche de test que vous avez mis en place chez Voyage SNCF et finalement quels étaient les résultats qui en sont sortis? Alors chez Voyage SNCF, on a pris la décision de se laisser un peu de temps pour déterminer si utiliser la DMP, une DMP pouvait apporter de la valeur ou pas. Mm-hmm. On est parti sur un POC de 6 mois sur deux leviers principaux qui étaient le display et notre régie pub interne. Et du coup, en accord avec ces équipes-là, on est parti sur le fait de faire 6 mois de test et donc pour chaque campagne où ça pouvait apporter une valeur, d'avoir un dispositif où il y avait utilisation des audiences DMP et utilisation de ce qu'il pouvait faire avant de lancer le test de la DMP. À l'issue des 6 mois, ce qu'on a constaté, c'est que l'utilisation de l'audience permettait d'avoir de meilleurs résultats pour la plupart des campagnes, que ce soit en régie ou en display. Par contre, on n'a pas forcément su répondre à la question « Est-ce qu'on dégage un ROI suffisant pour justifier du budget mensuel de la DMP ?» Du coup, on est reparti sur 6 mois de tests et en élargissant d'autres leviers, et notamment notre levier principal qui est le SIM. Donc là, les tests sont en cours et donc je ne peux pas encore vous dire si c'est positif ou pas.